Hosanna. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Non, non. Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie à l'honneur de notre roi? Non, non. Acclame encore. Parce que c'est bien lui qui reste. C'est bien lui qui t'est venu chercher ce matin. Acclame. Piqui à Mikono. Lari Sayala Yasita. Reba Baba Shayaba Yesete. J'aimerais que qu'on puisse se plonger dans un moment d'adoration. Na tunapendelea kuingia tena ndani ya mabutu. Lo basha ile classe ta. Sois concentré. Weka kile yako fasi moya. Commence à adorer ton Dieu là où tu es. Anza kuabudu wako Mungu pale wiko. Adore-le. Mwabudu. Car c'est bien lui qui règne. Kwani ni yeye anatawala. C'est bien lui qui règne. C'est bien lui qui l'a voulu ainsi. Que tu puisses être là ce matin. Adore lui. Dis seulement quelques mots. Tu dois sortir de ton cœur. Pour qu'il puisse au moins faire quelque chose ce matin. Adore lui, adore lui. Adore lui là où tu es. Malasayara vaya sataraya sikela vaya. L'irébacasta de Glomaria Santerebrio Taria San. Eregata Yabache Terebrias Tudea. Il est remagues tout de pas de rique. Non, adore lui. Il est là, il est là. Moi, poutou, la brassota, yeke la maso. Ike la bria, sombele ketama. L'irécanta, yassan ke la mal. Yeke la brosa, ke la rica. Ike ke la marque sota, l'irréplias tout de pat, zinda la bakaya, enderebrias sota, enderebrias touke, riprias sofaide, la recantayabe, ike le brias, il est là, il te touche, la brise tout de, eke ma soria, rebas, la remarque là, le remarque stadeli, l'irréplias, et que l'abri, meni conta, et canta yama, et kenta la baya, et kente le brosaka, l'irebli asture, refaide, la rasaka yama, et keke la mas. Yes, yes, yes. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Quand il descend, il y a un transfert qui s'est fait. Oh, quand il descend, il te transforme, il te donne sa nature, il t'impacte, il te guérit, il te console, il te donne ce qu'il te faut. My God, Raiteria Solia, Maliken Tabaya, Ines Tudekenas, La Rebo Shayale, La Rama Kasataya. Je vais prier. Précieux Saint-Esprit, me voici Père. Je me donne à toi esprit, âme et corps. J'aimerais que tu puisses prendre en otage toute cette salle. Que tu puisses au moins s'attirer ces liens. Et que ta présence puisse dominer à jamais. Afin qu'il puisse y avoir des guérisons, des miracles, des consolations au milieu de nous. Précieux Saint-Esprit, afin qu'il puisse y avoir des gagnes. Des âmes qui seront gagnées ce matin. Que c'est cet esprit afin que tu puisses au moins me donner ta force de parler ta parole avec pleine assurance. Viens, règne, touche papa, domine jamais. Tawala moufane, on est cana, à soumouyale, afin que l'on sache que c'est toi le Dieu qui domine, que c'est toi le Dieu qui fait de grandes choses. Réa Sitaya, Lore Magesata, Era Magestudea, La Saïde Clash, Lora Machande, Lore Magestudeas, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh,
Hosanna. 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 Non, l'atmosphère d'aujourd'hui est vraiment fort. A tout ya loko ya nguvu sana. Si tu te tiens au moins discret. Kama aweke aweke akili yako fasi moya. Tu dois rater quelque chose d'important. Utakosa kitu kimoja kya mafasi sana asubuhi ya leo. Sois attentif. Kuya tayari. Et sois concentré totalement. Aweka akili yako fasi moya yote. Car ce matin. Kwani asubuhi ya leo. Viens là. Mungu yuko hapa. Amen. Amen. Je remercie le bon Dieu pour cette grâce qu'il nous a encore donnée de venir encore ce matin pour parler de sa part. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et Dieu soit béni à jamais. Et je bénis aussi les serviteurs. Et particulièrement papa pasteur, malgré qu'il n'est pas là, parce qu'aujourd'hui j'aimerais qu'il soit là. Que Dieu puisse vous bénir, papa. Je vous bénis aussi ce matin, parce que c'est Dieu qui vous a permis de venir ce matin. Que Dieu qui vous a permis de venir, qu'il puisse vous bénir encore davantage. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon, peut-être c'est la seule bénédiction que je vais déclarer. Ça, que Dieu vous bénisse encore. Oui, c'est une nouvelle année. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore et encore. Que Dieu vous bénisse à jamais. Mungu amibariki tena wautele. Amen. Amen. Toute la semaine, on nous avait prêché sur plusieurs choses. Les mardis, on nous a parlé. Les jeudis, on nous a parlé. Les samedis, on nous a encore parlé. Et ce matin, j'ai un thème vraiment particulier encore. Amen. Amen. Je peux dire que c'est le sous-thème et c'est le petit thème du grand thème que j'avais dit. D'abord Jésus, le reste après. C'est encore un petit thème. Et ce petit thème, je vais encore lui donner avec un sous-thème encore. Le thème de ce matin nous dit, c'est aujourd'hui, pas demain. Amen. C'est aujourd'hui, pas demain. Amen. Amen. C'est aujourd'hui ni leo qu'il te faut prendre la décision. Mipango, pas demain. Aina kesho. C'est aujourd'hui ni leo qu'il te faut changer na paishwa ubatirike ta façon de répondre à ton mari. Namna yako ya kujibu ya kwa bwana yako. Pas demain. Aina kesho. C'est aujourd'hui ni leo qu'il te faut changer kufai ubatirike ton comportement. Na kwa kuishi. Pas demain. Aina kesho. Amen. Amina. Dieu m'avait donné ce thème. Mungu alinipatia kishina. Que cette année, kwani hii mwaka, si nous changeons kama tunabatirika nos mentalités de 2021, namna yetu ile tunaanza kuishi mu 2021, nous prenons la décision na tunabeba mipango de commencer une année ya kwanza mwaka avec une nouvelle mentalité. Namna kuishi ya sasa. Dieu va te consoler. Na Mungu atakufariji. Dieu va faire de grandes choses. Na Mungu atafanya bitu binene pamoja na wewe. Dans cette église. Mui kanisa. Car il a dit. Kwani arite. C'est un moment de nouvelle départ. C'est un moment de nouvelle départ. Inakuya ni wakati ya mupya. Kwanza bya sasa. Là nous allons commencer une nouvelle chose. Amen. Amina. C'est pourquoi il m'a donné c'est aujourd'hui. Pas demain. C'est aujourd'hui qu'il nous faut prendre la décision. C'est aujourd'hui qu'il nous faut au moins enseigner nos enfants
Comment se comporter bien? Namna kani akuishi mzuri? Tant qu'il est encore enfant. Tangia vile kwa mtoto. C'est aujourd'hui. Ni leo. Et pour les changements de cette année. Na jua mabadiliko ya mwaka. Ne t'attends pas dans les mois de décembre. Hapana kujichunga mu mwezi ya 12. Ça commence aujourd'hui. Inaanza leo. Car c'est aujourd'hui. Kwani ni leo. Qui est ton temps précieux. Inakuwa siku yako yenye kustahiliwa. C'est aujourd'hui. Ni leo. Tu ne sais pas ce qui doit venir demain. C'est aujourd'hui. Il est où? Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Léo kuna kuyaba Christu. Qui veulent seulement commencer à venir dans les mois de novembre, décembre là. Beko na pendela kuya ukanisa paka mwezi ya 11 ya 12. Par crainte de l'esprit des morts. Chia kuongopa alufu. Là, il y a des séminaires et des séminaires. Kule kuna kuya ma séminaire na ma séminaire. Des marathons et des marathons. Makupika mbio kwa kupika mbio ya maombi. Bien sûr. Na kweli. Tu seras là. Uko takuya pale. Tu dois traverser bien. Utatambuka mzuri. Mais c'est toujours ta même vie de l'année passée. Mais lakini paka maisha moya moya ile ya mwaka iliyopita. Avec ça. Na ilo tatambuka tena nayo. Amen. Amen. Mais si tu veux cette année, na kama unapenda hii mwaka, pour qu'elle puisse être une bonne année pour toi, ikuye mwaka mzuri juu yako, il faut prendre la décision du changement aujourd'hui. Inafai kubeba mipango ya kubatirika. Tu prends la décision aujourd'hui. Unabeba mipango leo, et que tu marches avec cette décision toute ton année. Na unatembea na ile mipango mwaka yote mzima. Tu verras la gloire de Dieu. Na utaona utukufu ya Mungu ndani ya maisha yako. Amen. Amina. C'est aujourd'hui. Ni leo. Pas demain. Aina kesho. Et le sous-thème de ce matin. Na kishina kitu kidogo kia asubuhi ya leo. Nous dit. Kinatuambia. Consécration totale à l'Éternel. Kujitoa kwa wewe wote kwa milele Mungu. Parce que dans le thème qui dit c'est aujourd'hui pas demain. Kwani mukishina mule mnasema ni leo aina kesho. Il y a d'autres thèmes. Muko mishina bingine. Qui peuvent dire c'est aujourd'hui. Inakuwa inasema ni leo. Le changement de ta maison. Mabadiliko ya nyumba yako. Il faut planifier les choses dans ton couple. Inafai kutengeneza bintu ndani ya ndoa yako. Il faut planifier tes choses dans ta destinée. Inafai kutengeneza bintu mzuri ndani ya kufikia kwako. C'est aujourd'hui. Ni leo. Il faut changer au moins quelque chose dans ta maison. Inafai kubadilisha bintu mwa fulani ndani ya nyumba yako. Il faut changer au moins quelque chose dans ton boulot. Inafai kutengeneza bintu mwa fulani mukazi yako. Tout ça ce sont d'autres thèmes. Bile biote binakuya nikishina. Mais aujourd'hui. Lakini leo. J'aimerais dire. Minapendelea kusema. Sur consécration totale à l'Éternel. Juu ya kujipana kwa we wote kwa wamilele Mungu. Pour servir totalement l'Éternel. Kutumikia Mungu kwa we wote wa milele Mungu. Parce que ce thème. Kwani ikishina. Dépasse d'autres thèmes là qui est dans ce grand thème. Kina. Pita bishina biote binakuya muiki shina kinene. Consécration totale à l'Éternel. Kujitoa kwa we wote kwa milele Mungu. Nous sommes dans Josué chapitre 24. Tuko mu kitabu ya Yoshua. 14-25. Josué 24, 14-25. Si nous pouvons se tenir debout pour lire. Josué chapitre 24. 14 à 25. Le chapitre 24, le 25. La Bible dit ceci, Josué chapitre 24, le verset 14 à 25. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou le Dieu des Amoréens. Dans le pays duquel vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir notre Dieu. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tout le peuple au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tout le peuple et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu.
Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez de Dieu étranger, il reviendra vous faire du mal. Il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit, nous en sommes témoins. Ôtez donc le Dieu étranger qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ces jours une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Amen. 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 Dans cette histoire, oui, story. On peut encore nous lire dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Batatu somme à tenam kitab ya Romains. Romains 12, 1 à 2. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et pas. Amen. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, je l'ai pris dans le verset 15 de Josué. Nakishina kya subuya lo mirkibeba mu verset 15. Il est dit, nasema ivi. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, nakama amuone mzuri ya kutumikia wa milele Mungu. Choisissez aujourd'hui, mutafute leo, qui vous voulez servir. Muchakule leo ule mnaweza kutumikia. Ule je que servez vos pères. Wala ni ule Mungu bankambo yenu baranza baba sasienu baranza kutumikia. Au-delà du fleuve. Ile kupita mutoni. Ou le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Kule Mungu abamoréen abarikwabeko na ikala. Moi et ma maison. Mie na nyumba yangu. Nous servirons l'Éternel. Ikia wa milele Mungu. Amen. Amen. Dans les versets les Romains encore. Mu kitabu ya Romains ayo. L'apôtre Paul nous dit encore de se sacrifier totalement à Dieu. Paulo na yana tupachia tujitupene tujipane kwa wote Mungu. De se donner totalement entièrement à Dieu. Na tujipane kwa wote kwa Mungu. Josué exhortait le peuple d'Israël. Na Yoshua aranja ku exhorter batoto wa Israeli. Pour qu'ils puissent aussi choisir. Chia baba chakula. Quel Dieu ils peuvent aussi servir. Mungu kani ule banaweza kutumikia. Qu'est-ce qu'ils veulent servir? Na banaweza kutumikia nani? Il les avait donné cette ordonnance-là. Nabari papa chia ile sheria. Qu'il puisse aussi choisir maintenant là. Nabo bapate kuchakula pale pale. Ce n'était pas pour demain ou bien quoi. Aikukuye kesho wala shikukani. C'était seulement ce jour-là. Mais irikuye ni ile shiku moya moya. Qu'il puisse choisir. Yabo bachakule. Et ce matin. Na subu ya leo. Dieu te donne aussi. Na yeye Mungu anakupatia wewe. Quelque chose. Kitu mwa fulani. Pour que tu puisses choisir. Sio wewe uchakule. Est-ce que tu dois choisir de servir l'Éternel? Na utachakula kutumikia wa milele Mungu. Ou bien tu dois choisir de servir ton ventre. Wala utachakula kutumikia tumbo yako. Ou bien tu dois choisir de servir si c'est qui? Wala utachakula kutumikia mtu wowote. C'est pourquoi j'avais dit. Jua kwamba mirisema. C'est sous thème. Ikishina kidoko. Et le plus grand de tout autre sous thème. Inakuya kishina kya kinene kupita yote. Parce que servir l'Éternel. Kwani kutumikia wa milele Mungu. Ça n'est pas servir notre maison. Aina kutumikia nyumba yetu. Servir l'Éternel. Kutumikia wa milele Mungu. Ça n'est pas servir notre mari. Aina kutumikia bwana yetu. Servir l'Éternel. Na kutumikia Mungu. Ça n'est pas servir les chinois. Aina kutumikia wa chinois. Servir l'Éternel. Kutumikia wa milele Mungu. Ça n'est pas servir quelqu'un. Aina kutumikia mtu. Amen. Amina. Dans la consécration, c'est servir l'Éternel. Kutumikia wa milele Mungu. Et dans ce passage de Josué, na hii mustari ya Yoshua, dans la version le semer, mu version ya semer, quand il dit nous servirons l'Éternel, kama anasema tutatumikia wa milele Mungu, la version semer dit bien,
Nous adorerons l'Éternel. C'est-à-dire servir. C'est adorer l'Éternel. Servir. C'est au moins. Respecter l'Éternel. Servir. C'est au moins aimer l'Éternel. Pourquoi nous dit dans la version semaine, moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel. Tout à bout doit mille le mungu. Qui est d'abord un serviteur? Nana nakuya mutumishi. Un serviteur vraiment dans le terme, dans le bon terme, on nous dit serviteur. Munamna ya muzuri mukifalansa banasema serviteur kama mutumishi. Mais chez le grec. Kuba grec. On nous dit un esclave. Bana muita kama mutumwa. Un esclave. Mutumwa. C'est-à-dire. Nikusema. Comme on nous a dit dans la version le semer. Saivi baritwambia mukitabu ya semer. Nous adorerons l'Éternel. Tutabudu wa milele Mungu. C'est-à-dire nous serons les esclaves de l'Éternel. Nikusema tutakuya batumwa wa ba milele Mungu. C'est aujourd'hui. Ni leo. Où les serviteurs. Veulent être respectés, banapendelea baheshimiwe, avoir des chips, bakuya na toka ya bei, être en veste, bakuya mu mankochi, commencer à commander, baanze kufanya biote. Mais dans la bonne version, mais lakini mu version ya mzuri, c'est un esclave. Ana mutumwa. Qui est un esclave? Nani mutumwa? C'est bien lui qu'on doit commencer à envoyer dans tous les moments. Ni ule batanza kutuma mu wakati yote. Qui est un esclave? Nani yako mutumwa? C'est bien lui que son maître doit commencer à commander. Ni ule mukubwa wabo munya tanza kuleta ile rusa ya kumutuma. Qui est un esclave? Nani mutumwa? Mais totalement un esclave. Hein? Na juu ya mutumwa. C'est quelqu'un qui doit commencer à obéir en toutes choses à son maître. Ule mutu atanza kuti kubile biote maître wake atamwambia. C'est bien lui qu'on appelle un esclave. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui. Ni Léo. Pas demain. Aïna Kesh. C'est aujourd'hui. Ni Léo. L'état où tu dois te concentrer à Dieu. Il est wakati utajipana sasa kwa Mungu. Pour vivre un miracle. Tu ya kuishi miudisa. Ne t'attends pas après la prédication. Apana kuchunga bado maubiri. C'est maintenant là. Il wakati sasa. Où tu dois te concentrer. Ule utajiweka sasa pasimoya. Pour que Dieu puisse te toucher. Pour que Mungu akuguse. C'est maintenant là. Il apa sasa. Où le Saint-Esprit a mouvement. Ule Roho Mutakatifu ule natenga. Où il vient te commander. Inapai sasa ikutume. C'est maintenant. Ni apa. Pas demain. Aina kesho. Pas après cette heure. Aina kupita iwakati. Mais c'est maintenant. Ma ni apa sasa. C'est seulement aujourd'hui. Ni leo. Pas dans le mois de décembre. Aina mumoja décembre. Mais aujourd'hui. Mais lakini ni leo. C'est aujourd'hui. Ni leo. Où il te faut prendre une bonne décision. Nakufanya sasa kubeba mipango ya mzuri. Servir l'Éternel. Kutumikia wa milele Mungu. C'est consacré totalement à l'Éternel. Nikujipana kwa wewe wote kwa milele Mungu. Il y a une grande bénédiction que le monde n'a jamais eu. Kuko baraka moa munene sana ile dunia haipataka. Amen. Amen. C'est consacré totalement à l'Éternel. Kujipana kwa wewe wote kwa milele Mungu. Il y a une grande bénédiction. Kuko baraka moa munene sana. Que le monde n'a jamais eu. Ile dunia haipataka. Car aujourd'hui. Kwani leo. Il y a de ces gens-là kuko bale bantu, qui viennent à l'Éternel avec profit. Peko na kuya kwa Mungu juu ya kuprofiter. S'il a quelque chose, kama eko na kitu mafulani, il a la maison bras croisés. Eko kunyumba sha kuikala kimya. Mais s'il y a un problème, kama anakuya na mambo, il vient à l'Éternel. Ye ule mbio kukanisa. L'Éternel, wa milele Mungu, c'est un Dieu. Ni Mungu. On ne peut pas lui diper. Atwene kumushbadirisha. On ne peut pas venir avec l'hypocrisie devant lui. Atusta kuya mwebenya kujifucha misha mbele yake. Il te connaît déjà. Yeye anakujua mzuri. Il te connaît. Anakujua. Quand tu es bien. Wakati mzuri. Tu es bras croisés à la maison. Uko kunyumba kimya. Quand tu es bien. Kama uko bien. Tu es au moins à l'aise. Uko mwenye kuendesha pitu yote. Tu peux pas chercher l'Éternel. Auza tafuta wa milele Mungu. Mais quand il y a un problème, kama unakuwa na mambo, tu viens à l'Éternel. Unakuwa kumtafuta wa milele Mungu. C'est pourquoi nos vies, tu as kwamba maisha yetu, depuis les années que tu étais venu à l'église, ta miaka ilo ya miaka Yesu Kristo, c'est toujours comme ça. Biko paka vile ya bibadiriki hata leo, malgré que tu pries, hata kama uko naomba, c'est toujours la même vie.
Alléluia. Amen. Malgré que tu pries, c'est toujours la même vie. Toi, au moins, si on vient te visiter, pour que tu puisses venir à l'église, ce n'est pas au moins quelque chose de bon. C'est aujourd'hui qu'il faut au moins prendre la décision de changer nos mentalités. Si l'année passée, tu n'as rien eu, cette année, consacre-toi totalement à l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Car il m'a dit que cette année, je vais mettre la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision de changement de ta vie. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision de servir l'Éternel. C'est aujourd'hui, pas demain. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui qu'il te faut être concentré dans la prédication pour que Dieu puisse te toucher. C'est aujourd'hui qu'il te faut refuser la distraction de ton voisin pour que Dieu puisse te consoler. C'est à partir d'aujourd'hui qu'il te faut décider de ne pas dormir à l'église pour que Dieu puisse te toucher. Il ne peut pas te toucher si tu es endormi. C'est aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Église, Kanisa, cette année, c'est une année où Dieu va faire de grandes choses. Mais c'est lui qui doit se consacrer totalement à l'Éternel. Dieu va lui faire de grandes choses. C'est pourquoi Josué a dit, choisissez entre Dieu et d'autres dieux qui vous voulez servir, qui vous voulez adorer, qui vous voulez devenir esclave. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous deviendrons les esclaves de l'Éternel. Moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel. Amen. Amen. Je pars petit à petit. J'entre encore. Moi et mon corps, nous adorerons l'Éternel. Moi et mon téléphone, nous adorerons l'Éternel. Moi et ma beauté, nous adorerons l'Éternel. Moi et ma voix, nous allons servir l'Éternel. Moi et tout ce que j'ai, nous adorerons l'Éternel. Moi et mon argent, nous adorerons l'Éternel. J'ai dit servir, c'est dans Louis II. Mais dans les sémères, c'est adorer. C'est-à-dire adorer Dieu. C'est lui servir. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si tu ne lui sers pas. Si tu ne te consacres pas totalement à lui. J'ai dit moi et mon téléphone, nous allons servir Dieu. Comment? Dieu. Je peux avoir le téléphone. Téléphone. Et toi aussi, tu peux avoir le même téléphone. Na wewe unaweza kuwa na téléphone moja moja. Moi, je vais l'utiliser à l'avantage de Dieu. Mie mitaitumikisha mu avantage ya Mungu. Mais toi, tu peux l'utiliser à ton avantage. Mais wewe utaitumikisha juu ya busuri bwako. À l'avantage de quelqu'un. Na wala mu avantage ya mtu mwingine. Mais moi et mon téléphone. Mie na téléphone yangu. Nous allons vraiment servir l'Éternel. Mitaitumikia wa milele Mungu. Tu peux
Tu peux utiliser l'avantage de l'impudicité. Mais moi, avec ma beauté, je vais la mettre au service de l'évangile. Amen. Amen. Tu peux avoir ton corps. Tu peux l'utiliser chez les Chinois. Mais moi et mon corps, je vais le servir l'Éternel. Tu peux avoir ton temps. Et moi aussi avoir un temps. Mais toi, ton temps, tu peux l'utiliser à ton Dieu autrement. À ta maison et d'autres choses. C'est là qui était le jour. J'ai dit d'abord Jésus, le reste après. Moi compris ce que je viens de dire. Tu peux avoir ton temps là. Tu peux l'utiliser à d'autres choses. Mais moi et mon temps, nous allons servir l'Éternel. Nous allons servir l'Éternel. Tu peux avoir la connaissance. Et moi aussi, je peux avoir la connaissance. Mais ta connaissance à toi, tu peux l'utiliser dans, à draguer les filles, à séduire les garçons. Mais moi et ma connaissance, je vais servir l'Éternel en évangélisant, en gagnant les âmes, en faisant de toutes choses pour la gloire de l'Éternel. Moi et tout ce que j'ai, nous allons servir l'Éternel. Tu peux avoir un réseau social. Tu peux l'utiliser en te publiant toi, en faisant tout ce que tu veux. Mais moi et mon réseau, je vais servir l'Éternel en partageant l'évangile. Moi et tout ce que je suis, nous servirons l'Éternel. Moi et mon temps, nous servirons l'Éternel. Moi et mon argent, nous servirons l'Éternel. Oh, tu peux avoir l'argent, mais tu peux l'utiliser à mal. Mais moi et mon argent, je vais au moins bénir l'Éternel. Je vais au moins visiter les orphelins. Je vais au moins faire du bien à quelqu'un. Moi et tout ce que j'ai, nous allons servir l'Éternel. Tu peux avoir le souffle de vie comme moi. Mais toi, ton souffle de vie, mais tu dois commencer à le gaspiller. C'est comme qui dirait, tu mérites ce souffle-là. Moi et mon souffle, non, je vais adorer l'Éternel. Parce que je sais que c'est bien lui qui m'a donné le souffle de vie. C'est pourquoi j'ai dit servir, c'est adorer. Moi et mon souffle de vie, je vais lui servir avec. Parce que je reconnais que c'est bien lui qui me donne ce souffle-là. Mais toi, ton souffle de vie, tu peux l'utiliser comme tu veux. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision. Pas demain. Amen. Amen. C'est aujourd'hui. Pas demain. C'est aujourd'hui qu'il te faut consacrer totalement. Pas demain. Si je dis que moi et tout ce que j'ai, je peux servir l'Éternel. Si Dieu te donne quelque chose et tu lui sers avec ça, il sera au moins content et dire que cette personne est reconnaissante. Et il va encore t'ajouter d'autres choses. Si tu as l'argent et tu lui sers avec ton argent, tu ne manqueras jamais l'argent. Parce qu'il sait bien que cette personne, l'argent que je lui donne, il me sert avec. Pourquoi est-ce que je ne peux pas lui donner? Mais si ton argent à toi, c'est seulement d'aller boire l'outoukou,
Kabondo. Maintenant tu viens à Dieu. On a kuya kwa Mungu. Dieu donne-moi l'argent. Mungu nipatie makuta. Il ne peut pas te donner. Asita kupatia ile makuta. Il ne gaspille en rien. Wani ashene kuipotesha tu mubule. Il ne gaspille en rien. Ashene kuipotesha mubule. Il ne gaspille en rien. Ashene kuipotesha mubule. C'est pourquoi depuis que tu commences tu commençais à travailler. Tangia uranza kutumika. Tu as cherché l'argent. Unatafuta makuta. Tu as fait tout. Unafanya yote. Ça ne monte pas. Aibipande. Parce que tu te sers toi-même. Wani uko najitumikisha wewe mwenyewe. Tu ne sers pas avec celui qui te donne ça. Autumike na ile na ule mwenye alikupatia ile. Il faut savoir. Bai kujua. On ne mange pas la semence. Apana kuria mbeko. Amen. Amen. On ne mange pas la semence. Aba kuria ke mbeko. Tu as un arbre. Ukonamuchi. Toi tu veux seulement les fruits là. Woko napenda pakale matunde ko natoka kwile muchi. Mais tu négliges l'arbre. Mais ukona zarau nyenye muchi ko natosha matunde. L'année prochaine. Mwile mwake itakuya. Si tu décides tu coupes même l'arbre là. Kama unakata na nyenye muchi. L'année prochaine. Mwile mwake napikuya. Tu peux pas aussi manger le. Na wewe usakuria le matunda. Parce que tu l'as gaspillé pour toi. Kwani wewe mwenyewe uniharibisha. Hosana. Hosana. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision. Pas demain. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de ta bénédiction. C'est aujourd'hui le jour de ton miracle. Mais il faut te consacrer totalement à Dieu. Quand je parle, l'Éternel est en train de parler à quelqu'un. L'Éternel est en train de parler à quelqu'un. C'est aujourd'hui qu'il faut changer l'église. L'église doit changer aujourd'hui. Pas demain. Parce que cette année, vous allez chercher d'autres chaises que vous allez mettre encore. Parce qu'il y aura plusieurs personnes ici. Mais si tu décides de changer aujourd'hui, Maman, tu as une petite fille. Tu commences déjà à l'habiller mal. Unaanza déjà kumufarika mubaya. Et lorsque elle est en train de grandir, na wakati yako nakomea, elle doit être toujours en s'habillant mal. Ataanza kukomea paka kule na kuvala kubaya. Pour la changer, juu ya kubadilika, c'est vraiment difficile. Itakuwa ya nguvu sana. Il faut décider seulement là. Inafai kubeba mipango paka pale ngarike mtoto. Mon enfant dès maintenant. Mia mtoto yangu kuanzia hapa. Pas commencer à t'habiller mal. Ashitaanza kuvala mubaya. Parce que lorsque tu dois devenir grand. Kwani wakati pale utakuwa mkubwa. Sera au moins respectueuse. Utakuwa kuheshimiwa. C'est aujourd'hui. Ni leo. Il faut prendre cette décision. Inafai kubeba ile mipango. Les parents peuvent aussi voir leurs enfants. Na basasi na baba na wesi kuona watoto yabo. Unamwona ka garçon kule. Vois un garçon là-bas. Tu le vois de l'autre côté. Toi, tu es toujours dans Lausanne là-bas, c'est un enfant. C'est comme ça, ça commence. C'est comme ça. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette décision. C'est aujourd'hui. Léo. C'est aujourd'hui. Léo. Il faut décider d'envoyer vos enfants à l'Ecodim. Parce que lorsqu'il est enseigné, et on ne sort pas avec un garçon avant mariage, il va grandir avec ça. Mais si tu négliges, ta fille doit t'amener de grossesse et de grossesse à la maison. Mamimba. Si tu ne décides pas le changement de ton enfant, aujourd'hui, Léo, oh, ça sera au moins bizarre. Josué a dit, Joshua nasema, moi et ma maison, nyumba yangu, c'est-à-dire moi et tout ce qui me concerne, c'est aujourd'hui, ni Léo. C'est aujourd'hui ni Léo, qu'il nous faut changer l'habillement de boîte de nuit à l'église. Les habillements de boîte de nuit. Ma boîte de nuit. Doit rester aux boîtes de nuit. Kule ma boîte. Pas à l'église. C'est aujourd'hui qu'il faut décider. Ni Léo, il a fallu que mes parents aient.
C'est aujourd'hui. Léo. C'est aujourd'hui. Léo. Quelqu'un qui chante en s'habillant mal. Quelqu'un peut-être là. Tu vois qu'il est concentré dans la chanson là. Unaona akisema ule mtu yuko ndani ya ile mwimbo kuna imba. Ana kulengamia ni wewe ukishavala mubaya. Il est en train de te regarder toi tu es tu es mal. C'est aujourd'hui qu'il faut changer. Il faut kubadilika. Non, il faut changer. Il faut kubadilika. Umamona mubwa tenui. Où ma mon amour boit de nuit. Ici, ce n'est pas le boit de nuit. Mais c'est dans la maison de l'Éternel. Moi et tout ce que j'ai. Nous servirons l'Éternel. Même ton habillement. Doit servir l'Éternel. Il n'a pas l'église. Il ne faut pas venir ici faire tomber les gens à l'église. Oh non, c'est dans l'église. Il ne faut pas chanter ici. Tu n'as pas kuimba huku. Qu'il ne faut pas chanter ici. Il faut kuimba huku. Mal habillé. Mukufala mubaya. Il est en train de déranger les gens. Voilà où qu'on a battu. Même en français. Ou qui France? Même en français, on dit souvent. Ou qui France? On a ces maïvi. Il faut se gêner. Il n'a pas eu de gêner. Pour ne pas gêner les autres. Tu as aussi gêné Benguine. Tu sais très bien. On a joué Musuri. Que tu es mal habillé. Où ça couvre la mupaya? Tu viens ici. On a couru à Oku. Tu chantes. On a imba, on a imba. Non, Mungu a dit on a imbia. Quel Dieu tu es en train de chanter? Il faut servir l'Éternel. Il n'a pas eu de mikir à Mungu. Avec tout ce que tu as. Habille bien ton conabio. C'est aujourd'hui. Léo. Pas demain. C'est aujourd'hui. Ni Léo. Pas demain. Aïna question. Aujourd'hui. Léo. Pas demain. Aïna question. Bon, je regrette d'autres filles. Hein. Mina regretter maïcha ingine abantu. D'autres filles pensent que. Banamuke bengine beko na wasia. En s'habillant mal. Mukufala mupaya. Elles peuvent au moins avoir un bon mariage. Anawezi kupata ndoa ya mzuri. C'est pourquoi dans ce moment ici, Dieu a combattu Iwakati. Les mariages de ces temps, Mandoa ya Iwakati, sont vraiment bizarres. Iko ya désordre ça. C'est très difficile. On ne parle pas na wana pas ça ba ici. Des fois c'est qui se marient qui vivent longtemps. On ne sait pas Tijika na maman pas les. Tu vois comme papa Tijika et maman Stéphanie là-bas ils sont là même aujourd'hui. C'est difficile. Parce que banamuke baléo. Parce que le fils de ta futa bukweri wa kutafuta. Ils sont en train de chercher le mariage. Aina kubutafuta. Il ne faut pas chercher le mariage. Mais c'est Dieu qui donne le mariage. C'est aujourd'hui ni Léo qu'il faut décider. Il n'a pas dirigé. Si tu attires quelqu'un, si tu attires quelqu'un en t'habillant mal, kama una ita mtu mkuvala mubaya, c'est comme une viande na kuya kama vile nyama qui était au moins enfermé quelque part. Ilikuwa yenye kufungiwa fashimwa fulani. On l'expose. Bana ifungula sasa. Il y a plusieurs mouches qui viennent là. Kukoba imbu ba mingi peko na kuya pale. Ce n'est pas que parce que banaume ba mingi wakupenda. Ce n'est pas parce que y a beaucoup de garçons qui t'aiment. Que unakuwa star. Et tu es là, tu te fais la star. Non, parce qu'on te voit. Non, ni ba mouche ba na kuya tout. Ce sont des mouches qui viennent. On va la fata bilo richa ku exposer. Ils sont en train de suivre ce qui est en train de se faire. C'est aujourd'hui. C'est ni Léo. Il faut décider. Na fai kubeba mipango. De changer ton accoutrement. Il faut pas diriger mi fario yako. C'est pourquoi tu attires beaucoup des aventuriers. C'est pourquoi tu attires beaucoup des aventuriers. Tu as combien de kokota aventuriers ba mingi pa maisha yako. Ni paka ba aventuriers do bana kula. Il y a toujours des aventuriers qui viennent te chercher. Ce sont les mouches. Ils cherchent les choses qui sont exposées. Banatafuta bitu bile biko benye kuwekewa wasi. Ata kama nakoa. Même s'il te marie. Kama munafanya miaka tu kidogo. Tu fais quelques années seulement. Kila ronaka kwako. Kila ronaka kwako. Ayeshe tuo. Kama kina potea tu. Si sasa. Anenda tafuta mwingine. Il est parti chercher. Parce que kila umuitiaka. Parce que ce qu'il a tiré. Kirisha kupotea. Ça déjà disparaît. C'est aujourd'hui. C'est Léo. Qu'il faut changer. Il n'a pas eu kubatirisha. Pour que tu puisses avoir un bon mariage. Tu ya wewe ubebe ndoa ya mzuri. Je te dis bien. Mina kwambia mzuri. Le message d'aujourd'hui, Mujumbe ya leo, c'est un message prophétique pour quelqu'un. Ya bunabi, c'est un changement pour quelqu'un. Ya c'est une bonne vie pour quelqu'un. Ya c'est une gloire pour quelqu'un. C'est une joie pour quelqu'un. C'est une joie pour quelqu'un. Ne faut pas dire que ce frère-là, il vient toujours me parler. Mais...
Je suis en train de t'aider. Il ne faut pas attirer les aventuriers de cette vie. C'est pourquoi dans la maison, tu commenceras toujours à te frapper. C'est que ce qu'il venait chez toi là, c'est déjà terminé. C'est aujourd'hui. Ni Léo. Qu'il faut décider de changer. Il n'a pas voulu m'épargner à aujourd'hui. Léo. Si tu décides de changer ton habillement, on a beba mipango ya kubadilisha mivario yako. Tu verras les bons maris doivent venir. Utaona babwana bazuri batakuya kwako. Les véritables. Pas kweli. Pas les mouches. Aina banjinji. Mais les véritables maris. Mais lakini babwana babia kweli. Tu dois venir chez toi. Batakuya kwako. Kama unabeba mipango leo. Tu as besoin d'une bénédiction. Uko lazima na baraka. Mais décide le changement. Pour que Dieu puisse te donner la bénédiction. Décide aujourd'hui. Beba mipango leo. Je dis bien c'est aujourd'hui. Inasema ni leo. Pas demain. Aina kesho. C'est aujourd'hui ni leo, où il te faut te consacrer. Il n'a pas écouté ouais que ça s'affiche shimoyo. En train de chercher comment prêcher. Il y a ouais que t'as foutu ça n'amène qu'à ni accoupiri. Cette année. Muimuaka. Cette année où. Il n'a qu'à ni muaka il. Si tu te consacres totalement. Comment on a dit ouais que ouais ouais t'es pas shimoyo. Il sera un grand prédicateur. Il n'a qu'à mupiri mukubwa. C'est cette année. Muimuaka. Mais aujourd'hui. Na leo. Pas demain. Car demain, c'est déjà trop tard. Quand tu ne sais pas ce qui doit arriver, parce que tu veux mais il faut décider aujourd'hui. Car il y a d'autres filles ici. Qui seront aussi des mamans pasteurs, des mamans conductrices. Mais si tu ne changes pas aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour diriger le département des mamans. Tu as ouvert le département des mamans. Si tu ne changes pas aujourd'hui, si tu ne cherches pas comment servir, si tu ne cherches pas comment enseigner, ça sera difficile pour toi. Ne pense pas que ta vie doit rester seulement cette vie-là. Ce n'est pas demain. C'est pourquoi je te dis, décide aujourd'hui. Décide aujourd'hui. C'est aujourd'hui ni leo, où il faut aller dans la JPM. Kule unapasha kwenda mu département pas bashe. Demain. Aina kesho. Car demain. Aina kesho. Car demain. Kwani kesho. Ça peut devenir trop tard pour toi. Itakuya ya ole sana. Car c'est dans la JPM. Kwani ni mu bashen. Où on apprend les gènes. Kule beko nafundisha biana. Les choses des gènes. Bintu bya babiana. Les choses comment prêcher. Namna kani akubiri. Comment modérer. Namna kani akongosa. Comment faire d'autres choses. Namna kani kufanya bintu bingine. Mais si toi tu as la maison. Kama wewe uko kunyumba. Un jour. Siku moya. Tu te retrouveras pasteur. Utakuta mchungaji. Tu te retrouveras pasteur quelque part. Utajikuta mchungaji fashi mwa fulani. Tu te retrouveras mama pasteur. Utajikuta mama mchungaji fashi fulani. Tu te retrouveras mama ancienne. Utajikuta mama mchungaji fashi fulani. Tu te retrouveras diacre. Utajikuta shemashi fashi mwa fulani. Tu ne sais rien. Ça doit devenir trop tard pour toi. Car on commence aujourd'hui. Comment étudier? Si tu t'attends que demain, c'est vraiment trop tard. Car tu ne sais pas ce qui doit te surprendre. Aujourd'hui, kile kitakushutusha kesho. Hosanna. 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 C'est aujourd'hui. Ni leo. Pas demain. Aina kesho. Aujourd'hui, Léo. C'est aujourd'hui, ni Léo, qu'il nous faut au moins savoir. Il n'a pas ça coutume. Chercher de connaître comment adorer Dieu. Kutafuta kuchua namna kani ya kuabudu Mungu. Car demain, kwani kesho, pourra devenir trop tard pour toi. Itakuwa ya bole sana kwako. Si tu ne sais pas adorer Dieu ici, ma uchue kuabudu Mungu wako hapa. Tu n'as pas un droit d'entrer au ciel. Auna na route. Parce qu'au ciel, c'est seulement les adorateurs. Il te faut décider. Il faut que tu aies aujourd'hui de connaître comment adorer l'éternel. Et là, tu dois l'adorer. Na kula utamwabudu. Mais si tu ne l'aimes pas ici, kama upende hapa, mais là, kule, il ne peut pas. Il n'y aura pas une seconde chance. Akusta kuya bati tena ya pili. C'est aujourd'hui.
Il faut décider. Il n'a pas coupé ma mipango. Aujourd'hui, Léo, il faut décider le changement. Il n'a pas coupé ma mipango à Kubatirika. Josué a dit, Joshua na sema, moi et ma maison, bien na nyumba yangu, nous servirons l'Éternel. Il t'a tumiki à wamire le Mungu. Il les a aussi dit, na yeye na sema, il les a aussi dit, aribambia na bo, choisissez aujourd'hui, kuchakule Léo, qui vous voulez servir. Nani ula mna wesh mikiya. Je t'ai dit aussi ce matin. Na, choisis aujourd'hui si akula leo, qui tu veux servir. Nani ulo tatumikia, car demain kwani ke, pourra devenir trop tard pour toi. Ya ole sana kwako. Si tu t'attends en décembre, kama uko na chunga mwezi ya tous, pour commencer à venir au moins beaucoup à l'église, juu ya kuya chaque jour ku kanisa, tu dois au moins traverser. Utatambuka bya kweli. Mais avec ta même vie d'aujourd'hui. Mais paka na maisha moya moya ile uko nayo leo. C'est aujourd'hui. Ni leo. Qu'il faut décider. Inafaa kubeba mipango. Commencer à venir à l'église. Yawe kwanza kuya ku kanisa. Pas demain. Aina kesho. Pas demain. Kwani kesho. Tu ne sais pas ce qui doit arriver. Aisha jua kile kitafika. C'est aujourd'hui. Ni leo. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui. Ni leo. Aujourd'hui, Léo, qu'il faut décider. Il a fallu couper mes pango. De te consacrer à Dieu. Il a voulu te prendre avec Mungu. De t'offrir à Dieu. Il a voulu te donner avec Mungu. De te donner à Dieu. Il a voulu te prendre avec Mungu. De donner ta vie à Jésus. Il a voulu couper les camaïsha ya koko de Yeshua. Pas demain. Aïna kesho. Pas demain. Quand il kesho. Tu ne sais pas ce qui doit arriver. Aouista tu vois qui le quitte fika. Depuis que kuyaka. Depuis que tu étais ici. On a déjà beaucoup prêché. Tu te dis toujours que je vais changer. C'est comme qui dirait, tu sais, tu connais le jour où tu dois mourir. Peut-être c'est le soir que tu dois mourir. Ça signifie ni mangaribu takufwa. Tu ne sais pas. Aujourd'hui. C'est Dieu qui connaît. Ni Mungu juu anajua. Pourquoi je t'ai dit? Juu kwamba mimi nakwambia. La décision d'aujourd'hui. Mipango yako ya leo. C'est maintenant. Ni hapa hapa. Ne remets pas à demain. Aina upeleke kesho. Pour que Dieu puisse te toucher. Juu ya Mungu akuguse. Il te faut te consacrer ici. Inafai mbele uchipane hapa. Maintenant là. Na hapa hapa. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Na utakuwa mwenye kuchashwa na Roho Mtakatifu. Pour que Dieu puisse te consoler. Juu ya mtu wa Mungu akufariji. Il te faut être totalement à lui. Pour qu'il te puisse te consoler. C'est maintenant. Ni leo. Pas demain. Aina kesho. C'est aujourd'hui. Ni leo. Qu'il faut au moins oublier le passé. Na fai kusabu pita. Oublier ce qui était dans 2021. Oublie ça aujourd'hui. Sabu abio leo. Pas demain. Aina kesho. Car demain kesho, pourra devenir trop tard pour itakuya toi. Ya ole sana kwako. Alléluia. Amen. Il y a de ces personnes là qui ont des blessures intérieures d'hier. De 2021. Ya 2021. De 2019. Ya 2019. Ils ont ces blessures là. Peko na ile maumivu. Ils n'arrivent pas à les dégager. Abafikie mwatua ya kuitosha ndani mwao. Ça doit te créer des maladies. Itakuongezea magonjwa. Ça doit te créer des problèmes. Ta umba tena mambo ndani maisha yako. C'est aujourd'hui. Ni leo. Où il te faut décider. Kule inafai kubeba mipango. Oublier le passé. Ya kusabu ya zamani. Et de décider aujourd'hui. Na kubeba mipango leo. De commencer un nouveau départ. Ya kuanza mwendo mpya. Aujourd'hui. Leo. C'est aujourd'hui. Ni leo. Aujourd'hui. Leo. Il te faut vraiment te consacrer totalement. Il n'a pas écouté pas nos words. Oh, tu ne peux pas te consacrer. Si tu n'arrives pas à pardonner la personne là. Kama ufikie mwatua ya kusamea ule mutu. Tu ne peux pas te consacrer comme ça. A usta jipana vile. C'est aujourd'hui. Ni leo. Oui, il te faut lui pardonner. Kule unapasha kumsamea. Car tu ne sais pas demain. Kwani auchue kesho. Peut-être demain. Ça signifie kesho. Cette personne là. Ule mutu. Sera au moins ton chemin. Atakuya shere wako. Ton chemin. Atakuya jina yako. Où tu dois. Ton chemin. Jia yako. Tu dois passer. Pale utapitia. Peut-être c'est bien lui. Ça singine ni yeye. Pour entrer peut-être au boulot. Jia wewe kuingia mukazi. Tu arrives là. Unafika kule. Tu lui trouves lui. Unamukuta yeye. C'est bien lui le patron. Ni yeye anakuya mkubwa kule. Tu vas pas passer. Ashwa utapita. C'est aujourd'hui. Ni leo. Qu'il faut arranger les détails. Inafai kutengeneza bubaya pote.
Aujourd'hui, Léo, pas demain. Aujourd'hui, Léo, il te faut au moins arranger dans ta maison. Aujourd'hui, Léo, pas demain. C'est aujourd'hui. Léo. Aujourd'hui, Léo, le changement total de l'église. Kwa yote, kwa changeons l'église. C'est aujourd'hui Léo qu'il faut construire l'église. Il est pas demain, c'est trop aina tard. Kesho, kesho ni ole sana. Aujourd'hui, Léo, il faut même mettre des choses. Il n'a pas eu capitu. Arranger l'église comme il faut. Kanisa vile demain, kesho, pourra devenir trop tard. Ita pour ya ole sana kwako. Nous allons lire dans Hébreux 3. Tout à ce moment, qui t'a vu à Hébreux, Hébreux. Verset 7 à 8. Le verset 3, 7 à 8. Hébreux 3, 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi. Dieu a quoi? Selon ce que dit le Saint-Esprit. Qui le Rome tactif en Asema. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Léo, comment vous n'achetez sauti yake? N'endurcissez pas vos cœurs. Mushi, ouéke mioyenu mugumu. Comme lors de la révolte, ça va filer siku ya kutomboka. Le jour de la tentation dans le désert. Siku ya mapimo ndani ya désert. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé de quelque chose. Léo, Mungu anakusemesha kintu mwafla. Il te faut décider. Inafaa kubeba mipango. Il te faut décider. Inafaa kubeba mipango. Comme dans l'accouchement. Ça va filer mukuzala. Si on me ça dire. Kama wananza kusema. Si ça dire. Ah, kama inakawa. Ils doivent passer par césarienne. Bata pita kuma bisu. Si tu ne décides pas aujourd'hui. Kama awebe mipango leo. Tu dois au moins enfanter par césarienne. Unawezi kusala kupitia bisu. Par des conséquences. Na ile ni matokeo. Tu dois au moins accoucher par des conséquences. Unawezi kusala na matokeo mubaya. Tu auras des conséquences bizarres. Utakuya matokeo ya mibaya. Si tu ne décides pas aujourd'hui. Kama ubebe mipango leo. De laisser cette fille là. Ya kuacha ile maisha. De laisser cette fille là. Ya kuacha ule mwanamke. Ça deviendra trop tard pour toi. Itakuya ya ole sana kwako. Lorsque tu es un grand prédicateur. Wakati uko mupiri munene sana. Mais si elle est là. Mais we uko pale. Si elle est là. Kama eko hapo. Elle doit commencer que ni binini bila na ubiri kule. Il commencera à critiquer ce que tu es en train de prêcher. C'est aujourd'hui où il te faut décider. Il n'a fallu couper à mi pango. Tu ne sais pas ce que tu seras demain. Aujourd'hui, Léo. Si tu marches dans l'impudicité, comme on a tombé en boucherat, tu ne sais pas ce que tu dois devenir demain. Car les gens, quoi n'arrive pas à oublier les choses. Abafiki yake mwatu ya kusabu pintu. Mais Dieu peut te pardonner. Mungu anaweza kusamea. Et oublier. Bu. Mais les gens ne peuvent pas oublier. Mais lakini bantu abasta sabu aile. Il te faut au moins décider aujourd'hui. Inakufai kubeba mipango leo. Prends la décision aujourd'hui. Mipango leo. D'abandonner l'impudicité. Ya kuacha usharati. Quand tu auras un bon mariage. Wakati utakuwa na ndoa mzuri. Prends la décision aujourd'hui. Beba mipango mzuri. D'aller à l'église. Ya kwenda kanisa. De lui servir avec tout ce que tu as. Ya kumtumikia na bila vyote uko navyo. Car demain. Kwani kesho. Tu seras quelqu'un. Utakuwa mtu. D'important. Wa mafa. Alléluia. Amen. C'est vraiment une prédication. Akuya ni maupiri. De te réveiller. Ya wewe kushimamisha. De te réveiller. Ya wewe kulambusha. Là où tu étais endormi. Pale ulikuwa unesha kulala. Que tu puisses te réveiller. Ya wewe uke. Que tu puisses te réveiller. Na wewe upate kulamuka. Que tu puisses te réveiller. Upate kulamuka. Oh, j'aimerais que là où tu es. Ninapenda pale wiko. Que tu sois réveillé. Ukuye mwenye kulamuka. Malgré que je n'ai pas touché plusieurs choses. Ata kama shiguse manuta ya mingi. Mais d'autres choses. Vitu vingine. Tu les connais déjà en toi-même. Unabichua we mwenyewe. Il faut abandonner l'ivrognerie. Kuacha bile bitu. Il faut abandonner l'ivrognerie. Inafai kuacha bulevi. Car demain. Kwani kesho. Pourra devenir trop tard. Utakuya ya ole sana kwako. Kula utajiretrouver na magonjwa ya pombe. Là où tu vas te retrouver avec une maladie d'alcool. Mungu ataweza kukombe batatutaweza tukombea tuna kombea pour toi prier pour toi iko sato kushindikiza sema kufa kwa taleo c'est comme si on est en train de t'accompagner et tu peux mourir même aujourd'hui. Il faut décider d'abandonner le pango, kuacha pombe leo. Kuacha bibaya byote leo. Laisser les choses mauvaises aujourd'hui. Pas demain. Aina kesho. Demain c'est trop tard. Kesho inakuja ya ole sana. Demain c'est trop tard. Kesho inakuja ya ole sana. La Bible nous dit. Bu Biblia inatuambia. Si vous entendez sa voix. Kama mnashikia hii. N'endurcissez pas vos cœurs. Mushi
mioyo yenu mugumu. Mushifunge mioyo yenu. Uko mutumishi munene. Tu es un grand serviteur de Dieu. Uko mutumishi munene. Tu es un grand serviteur de Dieu. Il faut décider aujourd'hui. Il te faut kubeba mipango leo. De servir l'Éternel. Ya kutumikiwa milele Mungu. Car demain. Kwani kesho. Il ne sait pas. Aujue. Ce qui doit arriver. Kile kitafika. Il faut décider. Inafaa kubeba mipango. De donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Ya kupeleka maisha yako kwa Yesu Kristo. C'est trop tard. Si tu te retrouves en enfer, il n'y aura pas de repêchage. Il n'y aura pas de décision là. Jésus va te dire que non, c'est déjà trop tard. Jésus-Christ c'est aujourd'hui. Tu on a déjà fait des appels. Ah oui, apitake. Tu n'as jamais passé. Mais Léo, aujourd'hui. Comment on a raté? Si tu rates. Je ne sais pas quel jour tu dois trouver ça. Un choriste dit. Jour à venir. Tu vas le chercher cette parole. Tu ne le verras jamais. Tu auras besoin. Ça ne sera pas facile. Il faut décider aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. La Bible nous dit. La Bible nous dit. Biblia nasema. Tous sont péchés. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Même chez les enfants là. Même chez les enfants là, c'est aujourd'hui. Ni leo. Kumoto kalake mukubwa ou bien mutoto. Bote ne pas kabamoye. Nous sommes égaux. Il faut décider aujourd'hui. Il a failli couper ba mipango leo. Car il est dit tous ont péché. Wana nasema bale bote banafanya ça. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Banesha kuwekea pembeni kutukufu ya Mungu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki sauti yake. Au nom de Jésus de Nazareth. Mu jina la Yesu Kristo. J'aimerais au moins faire un appel à quelqu'un qui avait déjà abandonné de servir l'Éternel. J'ai au moins palpé quelques points. Comment servir l'Éternel? Quelqu'un qui était déjà faible en servant l'Éternel. Il faut décider. Il faut que mipango. De revenir encore. Il y a c'est pourquoi je te demande, je vous demanderai. Dieu comme habite à Milomba. Que nous fermons nos yeux. Tu funge mes yeux. Dans l'attitude de l'adoration. Ou atuaya mabutu. En train d'adorer l'Éternel. Ou abutu wetu Mungu. En train d'adorer Dieu. Ou abutu Mungu. Et je fais un appel. C'est lui qui avait refusé de servir l'Éternel. Je te demande aujourd'hui de venir de servir l'Éternel. Viens ici ce matin. Qu'on puisse prier ensemble. Peut-être que tu servais l'Éternel avec négligence. Décide aujourd'hui de passer ici pour qu'on puisse servir ensemble. Viens là où tu es. Dis cette parole. Attends au moins de quelque chose. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, je te demande de venir ce matin. Jésus a besoin de toi. Ne dis pas que demain. Aïna Kesho. Ne dis pas demain. Aïna Kesho. Mais décide aujourd'hui. Beba mi pango leo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir? Est-ce que vous pouvez qu'on puisse au moins prier ensemble? Tu servais l'Éternel. Mais après, mais aujourd'hui, tu es en train de le servir à la négligence. Je te demande de passer devant. Pourquoi qu'on a besoin de la décision? On a besoin de ta décision. Parce qu'on a besoin de Kukubariki. Parce qu'il a besoin de te bénir. Parce qu'on a besoin de faire quelque chose. Il a besoin de faire quelque chose sur ta vie. Viens. Passe devant, passe devant. Sors là où tu es. Sors là où tu es. Viens ici, viens. Viens. C'est l'occasion qui t'est donnée. Viens.
Alléluia. Que tu puisses décider de changer, de te consacrer à Dieu, de servir l'Éternel. Décide, viens. Bon, il te reste toi. Viens servir l'Éternel avec tout ce que tu as. Viens servir l'Éternel de toute ta force. Viens servir l'Éternel. Même si tu pries comment, si tu ne te consacres pas aujourd'hui, il y aura honte de ta prière. Décide aujourd'hui. Ne dis pas demain, non, aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Nous sommes là en train de prier. Nous adorons l'Éternel. Il faut reconnaître l'amour de Jésus. Nous allons répéter ensemble. S'il vous plaît, nos mains levées. Prions cette prière de tout notre cœur. Déclarons au nom de Jésus. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, j'aimerais que ça puisse être de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Prends mon cœur. Prends mon âme. Fais de mon être ta demeure. Fais de mon être ta demeure. Asante Dieu Koufa Moussalaba Dieu Makosayam. Mais attaque à lui répéter la roi à Koyote. Asante Dieu Koufa Moussalaba Dieu Makosayam. Kwanzia leo na decide ya kupacha maisha yangu yote. Beba wakati yangu. Beba byango byote. Fanya na maisha yangu kilu unataka ikuye. Je te donne mon corps. Je te donne mon âme. Je te donne mon être entier. Mina taka ikwembele weye kya kwanza. Ibi bingine bifata pre. Mina taka nyande kukupendeza paka weye. Ibi bingine bifata pre. Asante jwa kufwa juu yangu. Asante jwa kunipenda mapendo yangu vivi. Je vais prier. Eternel Dieu tout puissant. Éternel Dieu tout-puissant, voici ton peuple au milieu de nous. Baba baba bale chika tu yako. Baba uba bebe. Uba chance. Uba tawale. Fanya na maisha yabo ikwe demeure yabo. Viens règne dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Remplis-les de ta puissance. Parce qu'il n'a pas nguvu yabo. Seigneur Dieu, où va-t-elle jamais? Remplis-la de ta puissance d'amour. Que ta force, Père, puisse l'impacter. Puisse la dominer à jamais. Que ta force, Père, puisse la dominer à jamais. Par ta force toute puissante. Yahweh me pousse pour idolâtrie haute. Où vous êtes, ça vous fait pas qu'à vous, à vous, à vous, Maïcha Yakeyot, au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu tout-puissant, Mina dédié mon tout Michou à Komikono à Koval. Yéou a décidé, Naro Yakeyot de vous pacha Maïcha Yak. Baba, vous allez vous coordonner, vous allez vous diriger, Vaya la Maïcha Yak qui nous attaque. Où vous saïdiez, à vous qui nous attaque à tout Yak. Saint-Esprit, vous m'impactez. Ma peine ya comme ma chaya kebouane. Il s'est diminué. Yonge se kachame. Il tawala jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ton règne règne dans leur vie à jamais. Au nom de Jésus. Amen.
Nous allons prier pour clôturer. Tout le monde, dans un peu de minutes, prions au nom de Jésus de Nazareth. Il est remarqué tous les pas de Rique. Non, attends-lui, attends-lui. Il est là, il est là. Abrasota, bien que la basso. Il est la mia, son bébé de sa main. Il est gâta, yassa que la main. Et que la rose, que la mica. Il est que la basso sota. L'île est pris à tous les pas. Zinda la bataille. Et ne le brille à sota. Et ne le brille à stouke. Il prie à son faille. La récantaille. Il te le brille à. Il est là, il te touche. La vie tournée. Et que ma soria. Rebas. La rébarquera. Le rébarquera. Stareli. L'île est pris à. Et que la vie. E canta yama, e canta la baya, e canta le mosaka, liberi asture, e so faire, la rasaka yama, e canta la mas. Yes, 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 il est là, il est là, il est là, il est là, quand il descend, il y a un transfert qui se fait, oh, quand il descend, il te transforme, il te donne sa nature. My God, Raiteria Soria, Marike Tabaya, Ines Tulekelas, La Remo Shayale, La Ramaka Safaya. Come on, Jesus.